Bon les gars, il y a tout. Il y a trop d'abondance. Il y a beaucoup trop, ouais. Pour faire du tri là. Allez. Tiens, ça tu laisses là. Ouais, on a vu la révélation. C'est magnifique, c'est pointu. Voilà. Donc on a 1300 mètres de dénivelé pour atteindre le refuge du Sorier. Et voici l'éternel, l'emblématique Marc, notre guide. Et pour la première fois, bah regardez, on le voit, le pic de la Dibona. Il est encore tout petit là-bas au fond, c'est tout pointu. Et là-bas en arrière-plan, je sais pas si vous voyez le refuge qui est au pied. C'est là qu'on va. Allez, pour la postérité, Steph, devant la Dibona, un petit message de soutien pour tes collègues qui vont gravir le pic demain. Demain, le pic est à nous. Dibona, nous voilà. Dibona, nous voilà. Elle est belle quand même. Ouais. Et Philippe qui avance dans les lacets. Après le sport, le réconfort, on est arrivé au refuge. On va aller s'échauffer un petit peu sur quelques voies là-haut avant de passer une nuit à 2800, c'est ça le refuge? Et demain, alors demain, je vais vous montrer. Là, c'est la pause déjeuner. Le beau refuge avec les volets roses. Et demain, on va monter tout là-haut à 3131 mètres. C'est facile, c'est 31. Voilà, on prend des forces au calme. De lentilles. Ah oui, lentilles. Écoute, bien dormi. Ah bon? Ouais, super bien dormi. Ah bah t'as de la chance. Bon, on va faire on va faire un sondage. Bon, toi Benoît, c'était en pointillé comme moi, c'est ça? Ouais, moi aussi. Et Philippe, en pointillé. Des courts sommeils. Donc on a 1 sur 4. J'ai pas dormi d'une traite, hein, mais... Bon, les premiers relais, il y en aura 14 a priori. Donc Stéphane assure Marc. Et Benoît, qu'est-ce que tu fais toi? Moi j'assure Philippe. T'assures Philippe toi? Ouais. Et toi t'es cool, t'es en tatane. Tu sais, la légèreté c'est la sécurité. La légèreté c'est la sécurité, voilà, ce sera la phrase du jour. Exactement. C'est la phrase de la saison plutôt. De la saison carrément. Ouais. Bon allez. Un petit kiff sur le lever du soleil là. Oh, que c'est beau. Yeah. Sympa Steph. Toi t'as pas trop raclé, t'es plus... Moi je suis plus svelte. T'es plus svelte que nous. On peut dire ça. Donc la dégaine tu la récupères, tu la mets à part. Ça servira pour... Et là tu mets les trois. Et ça tu le mets plutôt à l'arrière pour pas que ça tienne. Et voilà, relais numéro 4 ou 5, je sais même pas. Je les ai passés 4 ou 5 autour de la trouille. On est attaché à la paroi. On monte doucement. Bon, Steph qui s'est fait un doigt. Tu veux la pharmacie? Tu vois un peu? Ouais, ça va. C'est rien. T'en verras d'autres. Bon. Il reste deux longueurs là, deux longueurs de 35 mètres. C'est reparti là. Bon, la question c'est, est-ce qu'on fait la fissure Madier en 5B ou est-ce qu'on reste en 6B, oulala, 6B. Pareil, ouais. Est-ce qu'on fait le 5A de la fissure Madier? Là on est plutôt easy. Ça va être les côtés 5+, hein. Ah bon? Ouais. Quelle bande de truandeurs ces grands-pères de l'alpinisme. Bon alors, est-ce qu'on voit le père Philippe qui arrive? Allez, super météo, plein soleil. C'est quoi comme relais ça? 7? Aucune idée. Aucune idée, on sait pas où on est. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une super vue. On voit les mecs qui grimpent, le toit du refuge en bas. C'est magnifique. Voilà, pour les passages difficiles, un peu de magnésie.
Ouais, ouais. Wadja. Hey Steph, ça filme. Ça va en dessous? Ouais, ça va. Ouh. Allez, c'est parti. Un petit peu de mousse sur la bleue. Ouais. Qui c'est qui a pété? Non, c'est pas toi, Steph. Oh, t'as pas honte. Ça, j'ai ta corde qui se prend dans ma caméra. Allez, on enlève le coinceur et on le met à la ceinture. Ça. Il est arrivé. Non, je le voyais pas. Philippe et... je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Sinon, on les appelle par le talkie-walkie. Ah, vous avez le talkie-walkie toujours? Steph, il a. On l'a, soit tu fais le... Soit tu fais le 6A sur bouson, soit tu fais le 4 sur friend. Ah, c'est beau, là. Ah, c'est beau, hein. Et voilà. La dernière dégaine, on va passer dans cette petite faille. Et ce qu'on voit là-bas, ça devrait être le sommet. 3131 mètres. Donner rendez-vous à Jean-Louis, on n'aurait pas réussi à faire plus synchronisé. Pourquoi il vient d'arriver? Eh ben voilà. Waouh! Oh putain! La montagne s'est pointue. La montagne, ça vous gagne. Wouhou! C'est pas vrai, bien sûr. Maintenant, c'est ça. Le club ici. Bon, on a mérité un bon casse-croûte, je crois. Et nous voilà au sommet de l'aiguille. Les gens qui commencent à redescendre. On redescend en rappel. Pour la redescente avec les choucas qui nous narguent en prenant les thermiques. Donc on va pouvoir, là on pourrait sauter en, ah ouais carrément, on pourrait sauter en base jump, là c'est tout vertical. Et là tu descends bien à ta, ta gauche, hein. Ouais. Tu descends plutôt dans le diable à gauche. On regarde les pros, hein. Et la descente en rappel, comme les pompiers de Paris. Donc c'est de l'autre côté de l'aiguille là. Et la dernière descente encordée après les rappels. Donc là, on a remis les tennis. Oh putain la corde. Bon ben voilà, c'est fait les gars. Bravo à tous, hein. Bravo, hein. Bravo! Bravo à tous! Bon, il reste plus que la, la dernière chance, c'est l'entorse en descendant. Non! Si! Ouais, attends, parce que la dernière fois qu'on avait qu'une seule fille. Bon. Oui, c'est vrai, elle a pas fini. Hein. Donc, on va rester prudent. Normalement, on aurait pas de choses qui portent malheur, Marco. On aurait dû avoir. Alexandra, il doit y avoir une ouais. Bon, bravo le GSE, vous êtes des champions. Ouais.